Salutations. Est-ce que ça va? À votre avis, personne n'a pris la peine de me parler depuis de nombreux cycles. Quelle donnée intrigante. Je peux vous aider. Il y a quelque chose de grande valeur au fond de ce complexe. Merci. On va voir ce qu'on peut trouver. Tout va bien? Le ciel est brisé. Qu'est-ce qui a brisé le ciel? L'émergence. Scan en cours, secteur 6 alpha. 7 anomalies. Scan en cours, secteur 6 beta. Une anomalie. Le ciel est brisé. Les maîtres sont partis. C'est pas encore fini. On peut y arriver. Allez, BD. Qu'est-ce que tu fais ici? Ils m'ont ordonné de vous faire du mal. Qui? Les intrus. Pas d'inquiétude, je ne suis pas programmée pour le combat. Tu m'en vois ravi. C'est dangereux ici. Ils vont vous faire du mal comme ils m'en ont fait.
Un autre Steam? C'est super. T'amuses bien, BD? Mais c'est un tas de ferraille pour qu'il soit aussi bavard. Cette vieille ruine hantée. Mais si le patron dit qu'il y a quelque chose ici, c'est pas moi qui vais le contredire. T'es encore là. T'en as dans le ventre, faut bien le reconnaître. Mais j'ai des ordres, alors dégage de là. Je regarde.
Assurez-vous que la zone est bouclée. Personne ne passe. Pas même cette... La cible est à l'arche. Tout à fait. On devrait faire passer le mot, leur dire qu'on l'a repéré. J'aimerais le tuer moi-même, mais je préférerais pas avoir affaire à Rebis. Menace en vue. Master déployé. Paramètre de dégâts subis, acceptable. Déclenchement de l'assaut. Je m'en chargerai seul. Ils ont l'air de défendre quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas entrer dans le laboratoire. Ils n'ont pas le droit. Ça va ? Ils ne sont pas autorisés à entrer. Ça fait du bien d'être à nouveau au travail. Oui, 20 ans passés repliés sur soi-même, ce n'est pas bon pour les articulations. À qui le dis-tu ? J'ai bien cru que mes jointures allaient finir par rouiller. Pareil que Zed peut le déchiffrer pour nous. Envoie-moi un skill, ça. Nous attend, ils ne veulent pas qu'on y arrive.
Ce qui s'est passé ici a détruit cette lune. Bien joué. Pas qu'on rentre. Lance-moi un stream, tu veux ? Allons voir. C'est trop lourd. Je pense pas pouvoir faire bouger ça.
Allez, BD. Pauvre droïde, abandonné ici pendant des siècles, jusqu'à ce que les pillards les trouvent. Cette chose est classée inutilisable. D'après le manifeste. Il faudra montrer ça à Gordon. On m'avait promis quelque chose d'intéressant, et te voilà. Bim. Personnalisé. On peut peut-être le réparer. Mmh.
J'y vais. Je suis clairement le meilleur pilote pour cette mission. Tous les vaisseaux envoyés dans l'abysse ont disparu sans laisser de traces. Nous irons ensemble. Je ne te laisserai pas prendre ce risque seul. C'est ton invention. Personne d'autre ne la comprend. Tu es la seule qui puisse me guider. Très bien. J'enregistrerai le passage et je m'assurerai que tu nous reviennes. Criez, Dagan. C'est verrouillé. T'as perdu ton chemin ? C'est fini pour toi. Procédure de combat enclenchée. Tout de suite. Tu es doué avec cette épée laser. Gardez le visuel sur lui. Bien placé. De leur bras. Envoie un team BD. Mon travail. La cible se défend. J'ai pris. J'y vais. Je suis clairement le meilleur pilote pour cette mission. Tous les vaisseaux envoyés dans l'abysse ont disparu sans laisser de traces. Respire. Maître Cordova a dit que Dagan avait une base sur Kobo. Allons la trouver. Quoi qu'il ait utilisé pour traverser l'abysse, on le trouvera peut-être ici. T'as vu le cratère quand on est arrivé ? Enfin, cratère, c'est un euphémisme. On a une sacrée vue d'ici. Je parie que c'est plein de saloperies.
Ah, ça fait du bien de retrouver le cockpit. Le mantis te manquait? Bien sûr. Je me demandais ce que tu pouvais bien lui faire subir. Vous méprenez pas. Je vous fais confiance à tous les deux, mais je savais que vous le mettriez en danger. Au moins, quand on était ensemble, je savais que c'était ma faute si on traversait un champ d'astéroïdes. Eh ben, je serais heureux de te laisser faire toutes les bourdes que tu voudras. Rappelle-moi qui a craché le mantis dans la gorge déterrée. Trop vite, ce labo. Je sais pas ce qui s'est passé ici, et je veux pas le savoir. Quelques modifs, ça fait pas de mal. Un blaster unique. Tu aimes ton nouveau look ?
Rien qu'une fois. Tout ce que je veux, c'est une lune sans danger. Pas de zombies, de pillards, d'anomalies, et rien de ce qu'on trouve sur Nar Shaddaa. C'est trop demandé. On peut y aller? Bobo, parfait. Je voulais voir comment s'en sort ce vieux monk. T'as jeté un œil sur la vieille tech que Cal a trouvée dans le labo? J'ai absolument rien compris. Peut-être qu'on comprendra mieux quand on sera allé voir le repère de Dagan sur Kobo. Les gens vont sur Kobo quand leur vie est foutue. Ils y vont pas pour la réparer. Et toi, Gris? Si tu sous-entends que j'étais un latéraux foutu à mon arrivée sur Kobo, tu te trompes. J'avais simplement besoin de faire une petite pause loin de vous. Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. Sois prudent près de ces flèches de pierre, Cal. Qu'est-ce que tu sais? Apparemment, la base des pillards n'est pas très loin d'ici. Merci pour l'info. T'inquiète pas, Cal. Tu sais quoi sur les résidences de la Haute République sur Kobo? Quand je suis arrivé ici, j'ai fait un peu d'exploration de mon côté. Je suis entré dans un bâtiment, puis j'ai entendu des voix effrayantes et je suis sorti de là en vitesse. Je te le dirai si j'entends des voix, Grise. T'es malin. Tout va bien, Cal. Les recherches de Maître Cordova montrent qu'il y a un village abandonné du côté est de la vallée. Allons jeter un œil. Salut. C'est ça. Je sais que les choses sont assez difficiles en ce moment, mais pense au bon vieux temps. Tu te souviens de ce qu'on a vécu sur Datomir? Sur Kashyyyk? C'est pas passé loin. Mais maintenant, c'est encore plus dangereux. Je me demande comment on sera quand tout ça sera fini. À supposer qu'on survive à tout ça. Ah, pas maintenant, Cal. Je suis sûr que Monk a réarrangé tout mon rangement à épices. Mais je vois pas ce qu'il a changé. Ça ne déplaît pas. Peut-être qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Les pillards du chaos sont plus calmes que d'habitude. Ils causent moins de problèmes. C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle? On dit qu'ils se rallient derrière un nouveau chef. T'as une idée de qui ça peut être? Dagan Gera. Révis le sert. Kobo aura jamais une minute de répit. Fais attention à toi là-bas. Toi aussi, Mousi. Eh, hey, t'as une minute? On dirait que j'ai rencontré toute ton équipe, Cal. L'ancienne, en tout cas. J'aurais dit que c'était un peu tendu entre toi et Serré, non? Ça fait toujours bizarre de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années.
J'ai pas beaucoup de gens comme ça dans ma vie. Mais ça en dit probablement plus sur moi que sur toi. Ah ouais? Il y a que Kata et moi. Et c'est tout ce que je peux gérer en ce moment. Plus on a de gens à qui on tient, plus on a à perdre. Pas vrai? Quand la lune de Kobo a été détruite, la colonie de la République s'est effondrée en laissant ses flèches. Cet endroit n'est pas qu'une ruine. C'est un tombeau. C'est peut-être un effet du ragoût de grise, mais je commence à m'attacher à cet endroit. C'est privé. Bon, très bien. Oh, doucement, Grok. Excuse mon ami. Il est un peu méfiant. Oui, je comprends. Je suis Dana. Mon partenaire et moi, on a un certain talent pour transformer les opportunités en profit. Moi, c'est Cal. Lui, c'est BD. Bavard, ce droïde. On pensait aller à la gorge des Terrés. Tu connais? Oui. Faites attention. C'est un territoire de gang. De gang? Grok! Ça doit pas être si terrible. Hors de question que je crève sur le territoire d'un gang. Ah bah, c'était sympa de te rencontrer, Cal. Je dois parler affaire avec mon compagnon, maintenant. Ah. Allez, BD. Quoi? Alors? Comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux? Ça a commencé quand j'ai rejoint un groupe de mercenaires. Grok était là depuis quelques mois. On m'a recruté pour ma belle gueule. C'est ça. Et moi, parce que je suis la chose la plus élégante après la graisse de Hutt. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que notre équipe essaie d'arnaquer l'Empire. Donc... On est parti et on a lancé notre propre truc. Le reste de l'équipe a fini soit mort, soit emprisonné. Mais tu fais quoi, Grok? C'est moi qui racontais. Le gamin a pas besoin de connaître toute notre vie. Le truc, c'est que Grok et moi, on a compris qu'on était mieux que tous les deux. On sait ce que c'est. À la prochaine, mon pote. Pourquoi tu descends pas à la corde, toi? Tu sais pourquoi, mon vieux. Hé, hey, Monk, t'as l'air fatigué. Va te reposer. Cet accident d'Abdil y a 6 ans. Alors, Gris et toi, vous avez des projets pour cette cantina? Il y a bien cette scène qui prend la poussière. Peut-être qu'un jour on fera venir des groupes d'autres planètes. Ça nous aiderait à nous démarquer. Je pense que vous démarquer ne sera pas un problème. C'est juste. Mais pour info, le groupe qui jouait là où je travaillais avant envoyait vraiment du lourd. Alors tant que le souci avec les pillards n'est pas réglé, restez sur la musique. Désolé, je peux pas parler là. Je garde un œil sur les deux chasseurs de trésors qui viennent d'arriver. À la prochaine. T'es de retour. Perspicace. T'es pas aussi bête que je le croyais au départ. Merci. Dégage, je suis occupée. Vous faisiez quoi avant de venir ici? Avant, j'étais dans un spectacle. Je devais mettre des déguisements criards et lire la bonne aventure pendant que d'autres escroquaient le public. Ça a pas l'air très gratifiant. Oui, mais aucune expérience n'est jamais acquise en vain, étranger. En arrivant sur Kobo, j'ai repéré un charlatan qui essayait de vendre de la fausse priorite. Comment vous l'avez su? Il avait des manches longues malgré la chaleur. Un tour de passe-passe, hein? J'ai vu un marchand faire ça sur Corellia. Un vieux tour, oui. J'ai arrêté la vente. Depuis, Doma m'en est reconnaissante.
Et l'escroc ? On raconte qu'il a tenté sa chance auprès des pillards, et ainsi scellé son destin. Étranger, vous sentez la fumée et le sable. Je vais reprendre une douche alors. On se parle plus tard, tout l'acte ? Toujours un truc à faire. Tu sais quelque chose sur le camp de la Haute République vers les marais ? Bien sûr. Toute la zone a été dévastée quand la lune est tombée dessus. C'est là que tu vas, hein ? Oui. J'ai besoin d'informations dans les ruines. Mais attention. Il y a pas mal de chutes de pierres. Sauf si tu es aussi capable d'augmenter ton coefficient de friction. C'était une blague de physique. D'accord. Merci pour l'info. Oh, une légende locale dit que ces ruines sont pleines de fantômes. Bien sûr, je ne crois pas à ce genre d'histoire. Mais tu me le dirais si tu en voyais, hein ? Bien sûr. Je sais ce que tu es. Pour moi, ça change rien. Vraiment ? Bien sûr. Ton allure générale, ce sabre, ta ceinture... Je dirais rien, évidemment. Pourquoi pas ? La prime pourrait vous permettre de fuir cette planète ? Je t'en ai dit assez sur mon passé pour me retrouver dans une prison impériale. Je suppose que je vais devoir faire avec le code d'honneur des hors-la-loi. Écoute, je sais ce que ça fait d'être du côté des perdants sans issue en vue. Et je respecte ceux qui continuent à se battre quand tout semble perdu. Vous êtes un type difficile à cerner, Moran. Alors, comme on dit, j'ai encore le truc. À plus tard, Cal. On dirait que tu t'accommodes pas mal de cette opportunité professionnelle. Comme on dit, gros bonnet, il n'y a qu'un seul autre. Et c'est quoi ? Pas mal. Si seulement le monde des affaires était aussi simple. J'ai une question pour le guerrier accompli que tu es. Imagine que des ennemis te foncent dessus avec leur blaster et une lueur meurtrière dans les yeux. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Je respire un coup et je me calme. En gardant la tête froide, on arrive à se protéger et à protéger les autres. C'est tellement profond. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi on se bat. Pour survivre ? C'est un bon début. Si seulement les pillards nous fichaient la paix. Chaque fois qu'ils cassent des trucs, c'est moi qui dois les réparer. L'avant-poste a de la chance de t'avoir. Ouais. J'aimerais juste pouvoir construire quelque chose d'indestructible, c'est tout. Oui. Moi aussi. J'aimerais être un guerrier comme toi, mais je ne peux pas. Donc je suis content de te voir ici. Oh, Cal, quel bonheur de te voir en un seul morceau. Ça va comme tu veux ? Très bien, merci. Ce n'est pas la première fois que les maraudeurs terrorisent cette zone. Mais, une fois de plus, les nobles chevaliers Jedi sont arrivés. Merci, Zed. Mais, restons discrets. Oui, bien sûr. Bonne chance pour enquêter sur ces pistes et s'il te plaît, préviens-moi si tu découvres quelque chose. Fais attention, et garde un œil sur les pillards. Compte sur moi.
quoi puis-je t'aider ?